Ok, j'espère en tout cas qu'on continuera de la fonte et que progressivement la colonie se calibre pour l'hiver tout simplement. C'est lourd, très lourd. Très bien. C'est pas génial. Ok, là je vois des œufs. Quelle activité, c'est bien, c'est positif. Ça c'est léger, j'imagine ici, voilà, de la ponte. Ok, là j'ai beaucoup plus de larves. Ça c'est très très bien. Ça, ça fait plaisir. Super, super les filles. Oui, je vois des larves, je vois des œufs. Super. Waouh, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que là, actuellement, j'ai beaucoup de blocage de ponte. Beaucoup de pression des frelons. Là, ça rentre du nectar. Voilà. Ça, ça raconte quoi? Ça, c'est pas mal. Ok, ça, c'est en train d'être consommé. On va mettre ça sans doute vers le fond. Et ici. Pareil. Ouais. Bon, je vais laisser ces deux cadres là, je vais les laisser sur 8 cadres. Peut-être descendre à 7. Un peu de ponte c'est bien, un peu de réserve c'est encore mieux. Pas super super big, mais bien quand même. Ceci qu'on va peut-être utiliser pour donner un petit complément à la ruche. Salut les perséides. Salut la ruche qui n'avait pas été ouverte depuis 5 ans. Ça c'était en 2021. Si vous vous souvenez plus, je vous invite à regarder le premier épisode. Puis, ben, la ruche est venue ici au rucher de la Cascadette. Et là, nous sommes en mars 2023. On commence les visites de printemps. Première visite où on peut vraiment voir un petit peu ce qui se passe dans les ruches. Donc, on en profite du beau temps. C'est petit, mais ça me va bien. Alors, ça, les réserves de candy ont été assez bien mangées. Hein. Vous voyez, la colonie, elle est sur 8 cadres actuellement. Et 8 cadres, elle en occupe... effectivement 5, 6. Donc là, l'objectif c'est de voir si ça va bien en termes de ressources, de réserves. S'il le faut, j'ai quelques cadres de réserve que je peux lui donner. Je vois une grappe, pas bien grosse, mais une grappe quand même. De place pour le moment, la colonie, je pense, elle va rester sur 8 cadres. Pas besoin de faire plus. Ça, c'est très rempli, très bien. Ils sont pas trop touchés. On va essayer. Cadre plus vieux ici, on va voir. On n'a pas l'air bien rempli. Non. Plutôt léger. Mais ça travaille, donc ça c'est bien. On va changer la caisse. Le plancher est pas très propre, ça on fera ça lors de la prochaine visite.
Voilà la pente. Alors, ça dit quoi cette pente? C'est bien parti. Petit nid à couvain. De ce côté-ci, ça se développe. Ok. Ok, je sais ce que je vais faire. Ce cadre-ci, je vais regarder. Je dois avoir un cadre avec du pollen. Voilà. Ici un chouette cadre de pollen. On va le poser là. Celui-ci. On va le laisser ici. Voilà. Donc un premier cadre de ponte. Je pense ici un deuxième, si tout va bien. C'est ça. C'est pondu. Ok. Ici aussi. Pourquoi pas? Ce serait sympa. Ok, de nouveau pollen. Très bien. Là, deux cadres de ponte, pollen, pollen, ici. Est-ce qu'on est bien en termes de réserve? Ça, c'est pas très rempli. Même carrément vide. Je vais sans doute l'enlever celui-ci et remplacer en fait. Ça. Alors, ça, c'est un cadre plus récent. Il y a de la réserve encore là, je vais le laisser. C'est pas fameux, le cadre est pas très beau. Ok, je vais l'enlever aussi. Et dans les faits, on va rester sur 8 cadres. Je vais venir rajouter un cadre de réserve. Vous voyez un beau gros cadre de réserve, ça pourra servir. Voilà. Bien, on va remettre la partition. On garde la colonie sur 8 cadres. C'est beaucoup trop tôt pour mettre plus. Ici le nourrisseur. Hop là, tu sors, Bichette. Voilà. Le nourrisseur avec le petit de candy. On va encore donner un petit complément aux abeilles. Elles en ont besoin. Là, je vais juste les voir ici. Ça, je viendrai retirer tout ce plastique une fois que les abeilles auront terminé. Parfait. Bon, les persillés d'une nouvelle saison commence. Petite colonie, mais on est sur la bonne voie. À bientôt.